La première étape, c'est toujours de faire, en fait, ce qui est le plus magané en premier. Donc là, le cross joint est tout le temps préférable à faire en premier. Le joint de compagnie peut se faire en deuxième volet. Le but de mettre du ciment, en fait, c'est qu'il ne faut plus voir notre surface pour être certain qu'on a du ciment bien appliqué sur notre surface. Si on voit notre surface, c'est parce qu'il manque de ciment. Donc là, je ne vois plus ma surface. Il y a vraiment du ciment pas mal là-dessus. Je m'en vais avec un tape de papier. Puis je vais juste venir m'accoter à mon mur, puis venir essuyer dans le fond, mais sans trop peser, parce que tu veux pas tout enlever ton ciment en tour. Si tu enlèves tout ton ciment en tour, je te retrouve avec un tape qui manque de ciment, donc on appelle ça des ballons d'air. Fait qu'on a enlevé le ciment qui est en dessous du tape, c'est ça. Ça sèche, ça fait une bulle. Ça fait une bulle. Le but de mettre un tape, encore une fois, c'est ça qu'on appelle le jointage. C'est d'uniformiser notre surface. En mettant un tape, j'ai vraiment réparé la fissure, puis par la suite, il va me rester la portion redressage. J'en aurais pas mis de tape. Non, j'aurais mis juste du plomb. Je pensais pas qu'il y en avait pas mal du plâtre comme ça. T'en mets quand même pas mal. Ah, quand même. Faut quand même bien recouvrir notre surface. Encore une fois, c'est ça. C'est, si t'en mets pas assez, c'est pas une bonne chose. Si t'en enlèves trop, c'est pas une bonne chose non plus. Fait que là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien important. En même temps, c'est en le faisant qu'on le sent. C'est-à-dire que, comme moi, là, présentement, je suis après essuyer, mais je sais qu'en en pesant trop fort, je vais enlever trop de ciment. Donc, il y a vraiment une façon de peser adéquate pour justement laisser ce qu'il faut qu'il reste. Mais ça, tu regardes ton travail, une fois que tu l'as fait, tu t'en rends compte. S'il est pour t'en manquer, tu vas t'en rendre compte. Donc là, présentement, on voit très bien que le tape a bien collé partout. Il n'en manque pas nulle part. Donc, généralement, tu es sur la bonne voie là, pour pouvoir continuer. Là. C'est ça, un trou, là. C'est un peu, là. Hey, d'ailleurs, ça, tu le coupes au 45. Il y a un biseautage qui se fait ici pour justement arriver avec une belle pointe quand on va arriver à la fin. Donc, évidemment, en faisant ça, ben ça nous empêche d'avoir à le mouler en mettant soit du plâtre d'un côté ou de l'autre. Parce que moi, je vais vraiment me fier à mes coins pour venir faire la finale, mon coin, vraiment comme une pointe là, triangulaire. Le tape quadrillé fait une lumière mature. Quand on fait des structures, des fois, le bois est humide un petit peu. Avec le séchage à moyen et à long terme, il peut y avoir du torsionnage de matériaux. En faisant ça, ben ça élimine le craquellement à moyen et à long terme potentiel qu'il pourrait y avoir si ça n'avait pas été fait. Donc ça, moi, c'est une question là, de durabilité. Donc, je suis un peu perfectionniste, c'est juste à ce niveau-là. Hey, on va se plaindre du perfectionniste de Jean-Claude, papa, en fait. OK, mais c'est mieux lui parce qu'il est autocollant et il tient mieux. Exactement. De faire ça, lui, il est quadrillé autocollant. Donc, en mettant ça, ça vient, c'est juste parfait. Ça ne nous ajoute pas une épaisseur supplémentaire pour rien. Puis après ça, à la fin de tout ça, on va venir le remplir. Puis ça va tout se camoufler, ça. Il n'y aura plus rien qui va paraître. T'sais. Souvent, dans des rénovations, c'est pas rare qu'on fasse des retombées comme ça. Et là, évidemment, il faut quoi donc? Il faut fermer ça, là? Jointer, effectivement. Jointer! OK. Mur et plafond. Donc ça, on appelle ça, nous, dans notre domaine, un angle. Il y a des coins qui sont les coins de métal. Il y a des angles. À la blague, je dis toujours que de se taper une petite orteil dans un angle, ça fait moins mal que de se taper une petite orteil dans un coin. Et on va mettre encore une fois du ciment au préalable, des deux côtés de nos surfaces, en fait, plafond et mur. Encore une fois, on s'assure de ne pas voir le duproc, donc on met suffisamment de ciment pour ne pas voir notre duproc. Donc là, on voit très bien que le ciment, il est vraiment bien rempli notre surface. Voilà, le papier comme tel a vraiment comme un genre de il est déjà comme pré-plié. Il y a une ligne dans le milieu. On va se servir de ça pour le plier en deux. Une fois plié, dans le fond, on va venir prendre notre mesure. On s'assure de ne pas dépasser notre fameux coin de métal. Parce que ce qu'on veut qu'il paraisse à la fin du travail, c'est notre fameux coin de métal qui est ici. Donc, on arrête peut-être à 1,8 juste avant le coin. On vient placer notre fameux tape qui a été pré-plié dans l'angle qu'on parlait tantôt. Moi, là, je fais juste tenir mon tape ici pour pas qu'il... Parce que vu que le ciment, il est quand même éclairci comme on parlait, là, il va peut-être bouger le tape un peu. Fait que moi, en tenant mon tape avec mon porte-mortier, que je pourrais aussi tenir mon tape avec le bout de mon doigt, c'est juste pour pas qu'il bouge. Donc, il va rester là. Il va rester à la place où ce que moi, je le souhaite. Et une fois qu'il est pré-essuyé comme ça, on peut s'en venir vraiment pour terminer notre travail d'essuyage.
Jean-Claude, on sait que c'est la première couche, donc, comme tu disais, ton ciment a été éclairci. Ouais. Après, rendu à la deuxième couche, tu n'as pas besoin nécessairement d'éclaircir ton ciment. Et remplissage, parce que la première couche, le tape éclairci, oui, mais après ça, il y a la portion remplissage pour finir notre première couche, qui va être de remplir nos coins de métal, que là, tantôt, on va faire. Puis ça, le remplissage, on le fait avec du ciment normal, qui est pré-mélangé, mais on ne met pas d'eau dedans du tout. Donc, première couche, deuxième couche, on peut faire ça avec du ciment normal. J'aurais passé la journée ici, honnêtement. Jean-Claude, merci beaucoup. C'était vraiment très cool. Là, on peut trouver tous ces matériaux-là, là, facile chez Rona. Absolument. Chez Rona, là, il y a tout ça en vente, voire même les outils avec lesquels moi je travaille, ils vendent ça là aussi. Fait qu'un pro ou un comme les autres, tu peux tout trouver puis tu peux faire de la job de pro. Mais il faut quand même un peu de pratique puis les bons trucs de Jean-Claude.